Trimaran Gitana, Trimaran Gitana, de l'avion de la Marine Nationale. Ouais, ici Gitana, je vous entends fort et clair. Bien le bonjour, donc c'est les marins du ciel qui ont le plaisir de vous accueillir dans les eaux françaises avec votre super bateau à foil. C'est génial là de vous voir évoluer à 30 nœuds en direction de Brest. On sera à gauche dans 20 secondes. Ouais, bah merci pour l'accueil, c'est sympa de voir un avion et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une vie humaine. Donc merci, on a des bonnes conditions là. On a eu une nuit un peu agitée, mais on allait vite. Et puis là, le vent s'est calmé, la mer aussi. Et le vent va tomber doucement en s'approchant de 800. Mais pour l'instant, ça avance encore à 30 nœuds. Donc on est bien content de progresser comme ça. Ouais, j'imagine, on arrive à entendre le bruit des feuilles là, derrière vous, là, qui est bien un signe de votre vitesse. Comment vous le sentez là, après un mois de sur ce bateau? C'est bien, ça, c'est un bateau qui va vite, hein, ça, les océans sont bien rapides ici avec ce genre de bateau. Par contre, ça peut évidemment être difficile dans du vent. On a vu dans le sud là, on a eu une dépression pas si forte que ça, mais avec une mer de face, et là ça devenait très chaotique. Mais c'est agréable effectivement, et c'est une chance de naviguer sur ces bateaux. Voilà, alors en triple en fait avec notre médiaman, donc on fait tout à trois, ce qui est pour la vie à bord, sinon évidemment les manœuvres, la performance c'est à deux. On s'alterne sur le pont avec des quarts de stand-by dans la couchette à peu près tous les 2 heures la nuit, et le jour c'est un peu plus aléatoire. Alors, quel est votre TA sur Brest avec les conditions à venir là, et le vent qui va vous lire? Bon, on va s'approcher des côtes dans la nuit là, et puis ce serait bien qu'on passe la ligne d'arrivée au petit jour. On va pas forcer plus que ça pour passer cette nuit. Et comme le vent va être très très faible, de toute façon on va tirer des bords à faible vitesse dans la nuit. Donc voilà, notre objectif c'est de passer au lever du jour. Si vous voulez, de toute façon vous avez une avance assez confortable sur le bout suivant là, qui sont prévus arriver vendredi soir ou samedi. Ouais, c'est ça, on a eu la chance ces derniers jours pour attraper ce front là qu'on a derrière nous et ce vent de sud, et eux ils étaient un peu en retrait, ils n'ont pas pu faire ça, donc ils sont partis plus à l'ouest chercher autre chose. C'est pour ça qu'il y a ce gros écart qui a été créé ces 2 derniers jours.